Storm clouds gather. Our borders are beset by evil, both mundane and immortal. How long can we withstand this onslaught? We must form an alliance. We either die alone or survive together. I concur. This threat is beyond any of us. With the Azur's guidance- This we... is just another Elgate's game. I see many leaders here. But you even speak for your people. High King, this is not the time for short-sightedness. Short? There'll be no alliance with Elves while I'm High King. Only a reckoning okay <laughs> Let's not be blinded by our own need for power. This is the moment. Your choices will decide the fate of this world and all that inhabit it. The right one! bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. On est sur un trailer de type exceptionnel, hein, vraiment exceptionnel. Pour le coup, le premier visionnage, je l'avais trouvé très très bon, et plus je le vois, et plus ça m'émeut. Et je me suis dit qu'il fallait qu'on je fasse une analyse de trailer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors évidemment, en dehors des émotions qu'il a, sont propres à chacun. Vraiment, il est il est d'une excellente facture et c'est vrai que j'avais toujours dit que personnellement, le thriller qui m'avait le plus hype sur euh, Total War Warhammer, n'importe lequel, hein, que ce soit 1, 2 ou 3, c'était vraiment euh, Tyrion, euh, pas Tyrion, pardon, euh, c'était Ivresse, enfin Grom contre euh, Thor Ivresse, et j'avais trouvé ça euh, incroyable. Pour le coup, j'avais bien aimé aussi celui, euh, celui c'était le Twilight and. Euh, je sais plus, enfin celui des Elfes, euh, le rework des Elfes Sylvains, je l'avais trouvé vraiment excellent aussi. Mais euh, là. Euh, on a vraiment un, un, une qualité de trailer qui est impressionnante, et surtout que ça a toujours été la difficulté de l'univers de Warhammer, même si aujourd'hui Warhammer, enfin Warhammer Fantasy Battle est un petit peu euh, semi-rip, on va dire, <laughs> ça a toujours été quelque chose de très difficile, c'est de réussir à mettre de la place. De, de ne pas ignorer des races en fait, parce que on a tous nos races préférées. Certains adorent l'Empire, d'autres la Bretonnie, d'autres qui euh, euh, bon, bon, il n'y a pas beaucoup à l'époque, hein. d'autres euh, les hommes lézards, c'est mon cas. Et du coup, bah en fait, le problème c'est qu'en centrant l'action quelque part, il y avait toujours des grands perdants dans cette histoire. Et le trailer de Total War Warhammer 3 n'oublie personne, et il a le don de réussir à, à mettre ce côté épique et ce côté magnifique sur toutes les races abordées. Bien sûr, certaines sont plus mise à l'écran que d'autres évidemment c'était ça c'est évident mais on arrive à caser tout le monde euh, même les rois des tombes ont réussi à être casés c'est quand même quelque chose de, quelque chose d'incroyable alors tout d'abord ce genre de conseils c'est rigolo parce que là vous avez à l'écran euh, la diplomatie. Et d'ailleurs un petit point que je trouve très drôle. Rory, euh, donc euh, notre pire ennemi elfe noir, nous... Enfin, je l'ai vu en parler. C'est vrai que c'est assez rigolo. On dirait vraiment le trailer de notre campagne à 8. <laughs> c'est vraiment le trailer de notre campagne à 8. Et pour le coup c'est des scènes qu'on voit et qu'on arrive à mettre. Enfin c'est ça l'idée, c'est d'essayer de faire vivre ce genre de choses avec voilà ce, ce, ce grand Conseil des Nations, quelque chose qui est arrivé de manière très euh, enfin très récurrente, pas tant que ça dans l'histoire, mais qui est arrivé dans l'histoire de, de Warhammer Fantasy. On pense, enfin, je pense bien sûr à Tempête du Chaos qui est également qui a été semi redcon au final et qui est arrivé avec euh, euh, End Time. Mais on a aussi euh, tout simplement un, un conseil qu'on a tendance à oublier, qui était déjà le cas, euh, déjà présent. Alors, certaines races ensemble, bien sûr, la fondation de l'Empire s'est faite avec l'alliance avec les nains, tout ça, tout ça. Mais tout simplement, eh bien, la grande guerre contre le chaos, celle où ce n'était pas Karl Franz l'Empereur, mais Magnus le Pieux. Et du coup, avec Magnus le Pieux, nous avions déjà eu ce genre de conseil avec l'alliance des nains, des humains, euh, de Kislev et des hauts-elfes, qui, euh, eh bien, plus, on va dire, euh, certains. Euh, potentiellement d'autres mais qui n'étaient pas vraiment présents directement et là eh bien on a ce genre de nouvelles euh, alliances qui pour moi fait très écho à tempête du chaos et on a certaines personnes, on a certaines personnalités de présentes dans ce conseil. Alors il y a beaucoup de random parce que c'est surtout des personnages qui sont là pour faire de la figuration pour euh, représenter des diplomates, des ambassadeurs, des seigneurs mais pas forcément des noms directs. C'est pour ça que nous avons bien sûr Karl Franz l'empereur de l'empire. Nous avons bien sûr Thorgrim le roi qu'on va voir sur la droite juste après. Mais je reste sur ce plan parce qu'on voit Balthazar Gelt au fond. Vous ne l'aviez peut-être pas fait attention, mais on voit Balthazar Gelt au fond. Euh, au début, j'ai cru que c'était Katharina, mais ce n'est pas Katharina, hein, C'est juste une, une dame une dame de givre. Et euh, nous avons par contre, du coup, l'Ou en cœur de lion, le roi de Bretonnie. Et j'ai l'impression que lui, c'est Albéric. Mais je ne suis pas certain. Ça se trouve, je me trompe. J'ai l'impression que c'est Albéric. Je ne suis pas sûr. Et on a Teclis, bien sûr, qui est sur le côté. On va en reparler de Teclis, puisque bah, derrière, ça, ça parle. Euh, pas sûr de tout le monde... Donc, je vais éviter de dire des bêtises, mais il y a de grandes chances que. Parce qu'on pourrait croire que c'est juste un trailer hype, etc. Mais en vrai, il y a énormément de clins d'œil au lore. Et c'est pour ça que je fais cette analyse. Et je me demande s'il n'y a pas certains des comptes électeurs qui, euh, qui sont là. Euh, ça serait pas étonnant, là, que ce soit Albrecht, euh, le mec du Stirland ou du. Celui du Stirland, c'est Albrecht je ne sais plus quoi, là. Euh, ça ne serait pas, serait pas déconnant. Et pourquoi pas, lui, euh, le... le roi de Karak-Irn, c'est Alric, euh, J'ai oublié le nom. Alric machin, et ça serait pas étonnant que ce soit lui, mais potentiellement euh, c'est peut-être juste un seigneur d'un random parce que vous avez pas mal de seigneurs random qui sont là, hein. par exemple, et en fait ça s'explique tout à fait aussi. C'est plutôt les ambassadeurs, et euh, donc c'est ils auraient pu tout à fait mettre Katarina et par exemple Miaoying, mais le fait de ne pas mettre Katarina et Miao Ying c'est excellent, pourquoi Parce que même ça en termes de lore, c'est très bien. On pense souvent que le lore c'est que de la création, mais oubliez enfin volontairement mettre de côté, parce que ce n'est pas un oubli, mais volontairement mettre de côté certains seigneurs, bah même en termes de l'or c'est très bien. Par exemple, euh, le fait que Katarina ne soit pas présente, on pourrait se dire, oh, « Quel outrage ne pas mettre Katarina, tout, tout ça, pourquoi ne pas avoir mis Katarina ?» En fait, Kislev, c'est tellement la merde que mettre Katarina, bah, ça veut dire que pendant ce temps, le dirigeant à Kislev, il n'est pas là, etc. Donc ça doit être très rare que Katarina se balade hors de Kislev, en fait, hein. Et pareil pour, euh, pareil pour les dragons. En fait, on sait qu'il n'y a jamais eu euh, de euh, dragon qui est venu dans l'empire parler. Là, on aurait pu mettre Miaoing. Non, pas Miaoing. Miaoing, elle est occupée. Elle s'occupe des bordures du nord. Elle a pas que ça à branler. Et en plus, il y a le côté rapport. Nous sommes les dragons. On se mélange pas avec euh, les, les Jean-Michel. Donc, c'est un ambassadeur. C'est un ambassadeur qui est envoyé à Shugengan. Euh, pareil, on n'a pas Tyrion, on a Teclis. Très important le choix de seigneur ici. Teclis, c'est le mec, c'est le fondateur des collèges de magie de l'Empire. Celui qui est le grand diplomate, euh, le grand ambassadeur de l'Alliance, euh, de la, euh, enfin, des hauts elfes, quoi. Donc, c'est pas bête. A mis de côté nains, bon, ils ont mis Thorgrim. Euh, oui, oui, pas de soucis, parce que c'est vrai que les nains. Euh, ils répondent présent généralement Mais c'est pas forcément direct Par exemple dans Tempête du Chaos C'est pas, euh, pas Thorgrim mais c'est euh, Karak Kadrin J'ai oublié, oublié le roi de Karak le, le tueur, le roi tueur Comme ça la deux têtes je l'ai plus Mais euh, du coup c'est pas forcément Torgrim directement Mais ils ont mis Torgrim Et il a, une trop certaine, trop. il a une certaine présence D'ailleurs là on a aussi les seigneurs de, Des collèges de magie on a, on a les collèges de magie ici, euh, avec euh, donc le feu, métal évidemment, qui est représenté par Balthazar Gelt. Et rien que comme ça, ça pourrait. Alors, j'y pourrais. J'en avais parlé dans mes vidéos sur l'avenir de l'Empire de, de des races du 1 dans Total War Warhammer 3 eh bien, il euh, y a de grandes chances qu'un jour, on ait vraiment un DLC de l'Empire avec les collèges de magie. Et vraiment, le côté politique, comme un peu la cour de givre, mais avec vos sorciers, en fait, de l'Empire, avec les collèges de magie. Et pour la petite anecdote, Balthazar Gelt est le grand patriarche des collèges de magie, mais c'est récent. En fait, avant, c'était pas lui, c'était l'école du feu qui était première, j'ai oublié le nom du, du grand patriarche du feu, qui est toujours vivant, et qui d'ailleurs, même dans le Lord Warhammer, même en figurine, euh, au final, Balthazar est arrivé assez récemment dans le Lord Warhammer Fantasy, avant, c'était justement le grand magicien de l'Empire, c'était le patriarche du feu, et j'ai oublié son nom, il est toujours vivant d'ailleurs. Hein. Donc euh, ça, pourrait, ça pourrait être un petit clin d'œil. C'est ça, Tyrus Gorman, merci. C'est Tyrus Gorman, le, le grand patriarche du feu. Donc à côté de ça, euh, globalement là, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. On a un conseil voilà entre les grandes nations mais c'est pareil. Euh, certaines races sont absentes de ce conseil et c'est très bien. Typiquement, je me vois je vois pas un prêtre Slan débarquer à Aldorf en mode salut, euh, comment ça va les loulous euh, blablabla tiens, il y a une mouche ploup. Euh, je, je vois pas vraiment ça. À la limite, un hein, Skinks et même les Skinks qui débarquent à Aldorf en mode coucou c'est nous, euh, on représente les anciens. Bien sûr, les hommes lézards sont une race de l'ordre. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont aller à la cour de Karl Franz et reconnaître l'autorité de Karl Franz en fait. Absolument pas. Donc là, on a un, on va dire un collège de personnes susceptibles de répondre présent effectivement à ce genre de choses. Donc c'est assez bien. Et pareil, pas de pas droit des tombes, pas d'Homme-Lézard, de, pas d'elfes de, sylvains. À la limite, les elfes sylvains, ça aurait pu, mais c'est assez logique qu'ils restent dans leur coin. Les elfes sylvains qui pourraient se mélanger un peu plus, c'est ceux de l'Orelorn hein, plutôt. Euh, donc c'est assez logique en fait. C'est assez logique qu'ils ne soient pas présents. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas aider cette alliance militaire. Ils vont aussi avoir leur leur, leur mot à dire. Mais c'est plutôt intelligent de ne pas les mettre présents dans ce conseil. Donc, nous sommes assiégés par des menaces. Ce qui est très intéressant, c'est que là, on a un territoire de l'Empire. C'est une carte assez connue d'ailleurs. C'est la carte qui était horrible dans le 2 parce qu'on tombait tout le temps dessus avec la grande statue de Sigmar au milieu, etc. Et euh, du coup, on voit qui Kazrak. Nous sommes assiégés par des menaces. Kazrak, le Borgne. Kazrak, le Borgne, ça pourrait aussi être un clin d'œil parce que c'est pas n'importe quel. Enfin, Humbet, si vous voulez un peu mettre en avant leur dernier DLC, ils auraient plutôt mis Torox en avant. Et là, c'est pas Torox, c'est uniquement Kazrak. Et je me demande si c'est pas juste la représentation de Middenheim qui est derrière, parce qu'on voit quand même la, le, le grand château, etc. Et je me demande, parce qu'on sait que Middenheim sera jouable. Les, les seigneurs, euh, pour l'Empire, on le sait. Ça arrive. Boris, à un moment donné, il va débarquer et euh, Boris Todbringer va, va débarquer un de ces quatre et sera jouable. Son modèle est déjà fait, etc. Ils en avaient parlé dans le 3 donc ça, ça fait très clin d'œil Boris Todbringer. On a Kazrak contre Boris, c'est et du coup nous sommes assiégés par des menaces. C'est directement la grande menace bête au sein de l'empire représentée par Kazrak Lebend. Donc c'est assez, c'est soit un, soit un tease, soit un clin d'œil. Dans tous les cas, c'est très bien fait. 7. Donc les bêtes de présent, on voit le roster Umberd dans son ensemble. On voit des armées gigantesques d'Umberd qui sortent des forêts. C'est totalement le leur Umberd. La rivalité Boris euh, Todd Bringer, même si c'est pas forcément Boris direct, mais leur représentation. Vous avez la, la statue de Sigmar et des grandes, des grands châteaux. Ça fait très Middenheim quand même. Donc euh, on a vraiment le côté les les les, les arts de qui sortent des forêts. C'est juste parfait quoi. Les orques, les orques qui sont représentés dans un climat auquel on, les, on est rarement confronté, on les voit rarement dans ce climat-là. Et encore une fois, j'ai gros gros, et eh oui, je, je suis un boomer, je suis un, je suis un vieux, moi c'est un gros 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 coup au cœur, mais un bon coup au cœur, hein, c'est vraiment euh, grosse émotion, grosse nostalgie, c'est tempête du chaos. Tempête du chaos avec euh, Grimgor qui débarque dans le, par le nord, euh, qui assiège tout au nord et qui finalement va mettre un grand coup de tête à Arkaon et lui apprendre le respect. <laughs> je veux dire, les orques, on les connaît dans les milieux désertiques, les badlands, tout ça, tout ça. Les orques dans les provinces du nord, vous avez euh, la tribu, j'ai oublié, des, des dents euh, dorées, là, pas quoi, là, les, euh, celle d'Azag le massacreur, mais Azag est censé être mort à l'époque de Total War Warhammer 3. Il met Grimgor qui était dans euh, Tempête du Chaos et qui venait des, du nord justement. Donc met Grimgor sur son rocher, ça fait très aussi euh, Bataille de l'isengard. tout ça, tout ça. Mais bon, avec les armées pauvres qui, dé qui défilent, qui, euh, qui s'avancent de la montagne, c'est... Puis bon, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Les géants, beaucoup de gens ne les jouent pas. Mais un bon géant, ça fait toujours, toujours le café au niveau visuel. Pareil pour les, les colosses. Les colosses de pierre. Derrière, donc, il parle de, de menaces... Euh mince, j’oubliais en français, il dit à la fois bassement terrestre, les orques dans le côté... Les, débi les débilos et euh, immortel avec. Et ça, c'est aussi intéressant. On a Arcaon qui attaque une. Euh, je pense que c'est Prague. Je pense que c'est une représentation de Prague ici. Et, euh, parce que ça m'étonnerait que ce soit qu ils se lève directement. Parce qu'ils essayent de, de faire du storytelling, etc. Donc je pense qu'on est sur Prague plutôt. Après, Prague n'est pas vraiment sur les montagnes. Donc ça pourrait être le fort Ostrock au aussi. Mais bon, le fort a été dégagé. Mais globalement, pour euh, le storytelling, j'ai envie de dire que c'est Prague. Prague qui est la cité, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle la cité maudite pendant la grande conquête du chaos, euh, la grande guerre contre le chaos, c'était justement Magnus le Pieux euh, versus Asavarcul qui était donc aujourd'hui bah, l'empereur de l'empire c'est euh, Karl Franz qui du coup remplace globalement Magnus le Pieux et là c'est Archaon qui remplace Asavarcul. Archaon qui était l'élu des dieux. Enfin, qui est l'élu des dieux et à savoir Cool qui était l'ancien élu des dieux. Donc, on a vraiment cette représentation là, Arcaon et ses légions démoniaques qui euh, attaquent, Kislev. C'est aussi pour ça que vous n'avez pas Katharina au, euh, sur le. C'est là que vous voyez qu'ils se lèvent, ils n'ont pas le temps en fait. C'est la merde Donc, euh, c'est logique que ce ne soit pas Katarina au conseil. On voit Arcaon, Sigvald et du coup euh, ce que généralement on appelle Daniel, etc. Le prince démon. Ce prince démon là. Je vais éviter les spoilers, mais vraiment, faites le prologue, faites la campagne si vous ne l'avez jamais faite, faites le prologue de Total War Hammer 3, il est génial déjà pour apprendre, mais même aussi, il y a du lore, il y a un excellent lore, et le fait qu'il soit présent ici, c'est un clin d'œil, euh, mais du coup, c'est vraiment bien de l'avoir casé, pareil, on voit les deux sous l'autorité d'Archaon, tout à fait logique, parce que certains pourraient le prendre pour bel accord, mais ce n'est pas bel accord, on aura bel accord après donc voilà, Prague, la cité maudite qui a été détruite par Asavarkul, qu'on reprenne la conquête, et c'est pour ça d'ailleurs que dans le, le gameplay, Prague est une, euh, est une forteresse noire potentiellement récupérable par le chaos parce que il bah, y a là encore l'énergie chaotique au sein de, de la ville, toujours très stylé les nouvelles, euh, les nouvelles représentations d'Archaon, que ce soit dans le menu quand on le choisit ou autre, le, le, Archaon il, il, le, il le rend vraiment très très badass euh, récemment et les, les tours du chaos universel marchent très bien dans un trailer chaos universel comme ça nous avons la chute d'une des portes du bastion. qui C'est très très bien. On est quasiment sur le crépuscule des dieux là, hein, avec euh, l'ombre le, 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 qui tombe sur sur Kate, Le grand bastion est attaqué. D'où le fait aussi que les dragons ne soient pas sur le. On, on, là, vous avez parce qu'on parle souvent de l'empire qui est le dernier rempart contre le chaos. Euh, c'est souvent l'empire qui tire un peu la couverture vers soi. Les deux grandes nations qui en prennent plein la gueule, c'est Kislev et enfin les nations humaines qui en prennent plein la gueule, c'est Kislev. Et katei parce qu'il y a aussi les elfes noirs du coup de l'autre côté, mais euh, qui se lève katei pour le coup, c'est elle qui en prennent. Dix... Pendant que tout le monde parlemente, eux ils en prennent plein la gueule en fait, hein, ce qui est assez logique. Même s'il y a des menaces au sein de l'Empire comme on l'a vu à Azrak On a les nains qui sont attaqués. Très difficile de savoir de quel bastion nain on parle. C'est honnêtement tous les bastions nains sont dans la merde, soit pas à cause des hommes, des hommes rares, euh, hein, les Skaven, soit, euh, soit à cause des nains, soit à cause des nains, soit à cause des orcs pardon et gobelins des peaux vertes, Donc euh, bon. On voit des pauvres vertes qui euh, mettent le siège un, sur un tronc nain. Bon, c'est pas spécialement. Euh, ça pourrait être n'importe quoi, on s'en fout. Ça nous montre que les nains, ils en prennent plein la gueule par les pauvres vertes, qui est assez logique. Alors, l'empire est souvent à l'initiative de, des alliances parce que comme ils ont un peu plus le temps de parlementer, de faire de la diplomatie, et qu'on considère que l'empire est le plus grand empire. De, du vieux monde, le plus gros royaume du vieux monde, généralement c'est lui qui permet de faire le lien entre les nains à l'est, les elfes à l'ouest, Kislev au nord et les nations humaines du sud, généralement par exemple bah, Bretonie, Estalie, Thilée et euh, Principauté frontalière, même si généralement les trois dernières on les met de côté et on parle que de la Bretonie, mais et encore quand on n'oublie pas la Bretonie, donc euh, l'empire en fait de, par sa position euh, géographique sert de. D'unificateur, on va dire, de, de toutes les. d'unificateur uni, diplomatique et militaire. Ça ne veut pas dire que pour autant, euh, parce que c'était déjà le cas avec la Grande Alliance contre le Chaos, euh, c'est pas pour autant que Karl Franz, c'est le grand patron, tout ça, tout ça. Euh, vous imaginez bien que déjà, les comptes électeurs, ils doivent soutenir le l'Empereur pour. Il y a déjà des guerres politiques au sein de l'Empire. Donc, euh, c'est. c'est pas en mode l'Empire dirige tout le monde, hein, c'est pas comme ça. Vous imaginez bien qu'il faut un accord vraiment de tout le monde, ensemble. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup aussi le travail qui est fait par le moteur graphique sur le visage de Thorgrim qu'on voit ici, donc le haut roi des nains. Il y a plusieurs rois nains et il y a le haut roi qui est le roi, le super roi, on va dire, pour aller plus vite hein, chez les nains. Et du coup, Thorgrim euh, qui est ici euh, le rancunier, enfin, on va voir son nom qui, justement, on sent on le sent convaincu par les propos de Karl Franz. On, on sent qu'il qu est d'accord. Et là, on voit d'ailleurs hein, les pions qui sont euh, affichés sur la carte. On voit la grande carte ici avec euh, du coup Bretonnie, Empire. Il euh, y, a, y a des. Alors je sais pas si ces pions-là, il faudra regarder vraiment plus spécifiquement tout ça, tout ça. Mais euh, voilà, il y a des pions aux elfes, il y a des pions un petit peu partout. Un petit peu partout, il y a de la présence humaine. Euh, ici, à la limite. Ah bah oui, c'est encore. Je suis con, c'est les nains. Donc là, on va voir vraiment les alliances, les personnes présentes ici. Euh, Teklis sur le côté, on va en reparler. Five, together. Ah, d'ailleurs, j'avais pas fait gaffe. Un petit détail. J'allais dire. J'allais dire. J'ai cru que c'était des... des joueurs d'épée, les gardes. Et j'allais dire, ça n'a aucun sens puisque la garde royale de Karl Franz, on la connaît. C'est la Rex Et bah oui, c'est la Rex <laughs> Même ça, vous voyez, les gardes derrière. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais sur ce plan-là. On voit les deux chevaliers là qui servent de garde du corps de Karl Franz. Et bah c'est de la Rex Ça marche très bien parce que la Rex c'est la, la garde. Euh, la garde. Euh, vraiment de l'empereur, globalement. Donc, Teclis qui prend la parole pour dire effectivement, ce, ce monde nous menace, enfin, cette menace nous dépasse, nous devons nous allier. c'est ça, Faire parler Teclis pour ça, c'est parfait. Teclis, ça a toujours été le cas. Si vous avez joué à Total War Warhammer 2, c'est lui qui va convaincre les hauts elfes, tout ça, tout ça. Genre, Teclis, c'est le grand ambassadeur. Alors, même si c'est pas son titre, c'est toujours celui qui a été la bouche des hauts elfes, celui qui va loin essayer de rassembler des alliances, etc. Ça a toujours été son. son... Il a, il a toujours fait ça dans l'histoire en fait, euh, des hauts elfes, globalement, euh, pendant la Grande Guerre, c'était déjà lui aussi qui avait ramené euh, les hauts elfes. Et là, évidemment, qui on amène en face, bien entendu, les elfes noirs. Ça ne veut pas dire que les elfes noirs sont forcément avec le chaos, encore une fois, c'est ça qui est très intéressant, c'est que ce trailer, c'est juste les menaces. Et bien sûr, on vous montre des légions elfes noirs qui... Euh, ça, ça, ça pourrait être Arnheim ici, ou Nagarith, c'est soit Nagarith, soit Arnheim. Euh, Arnheim, qui est la plus grande forteresse euh, septentrionale des hauts elfes, qui est en Agaros, ou Nagarite, le nord d'Ulsuan, qui est ravagé par les elfes noirs. C'est les deux grands bastions, on va dire, où on pourrait avoir du bastion haut-elfe attaqué par les elfes noirs assez facilement. Avec évidemment euh, le, du, beau, euh, du beau monde ici, Malekis, bien sûr, Morati et euh, Malus Darkblade, deux présents. Malus Darkblade avec la garde noire qui est présente juste à côté de Malekis. même ça ils, ils mettent pas n'importe quel régiment à côté c'est la garde de Malekis, la garde noire donc vous voyez c'est... je me demande même si le dragon c'est pas... non il y en a un autre à côté parce que j'allais dire... non non c'est potentiellement le dragon de maléquis euh... mais non et là ce qui est aussi intéressant c'est que c'est un trailer de 3 minutes qui est même pas là qui est juste là pour te dire qu'Immortal Empire sort enfin genre, sort enfin, il essaye la, la bêta est terminée, globalement ce trailer il... On pourrait dire ils nous vendent un truc de ouf. Non, ils vous vendent ce, que vous, ce à quoi vous jouez déjà. C'est juste qu'il y aura un patch, il y aura pas mal de choses qui vont arriver, potentiellement des reworks, etc. Je dis pas le contraire. Moi, je, pas, je suis pas dans les petits secrets. Mais, <laughs> mais, dans tous les cas, genre ils font un travail de mise en scène. La musique est incroyable. Et même le lore, le respect du, de l'histoire et du mat de l'univers d'origine est fantastique. On a justement Teclis qui veut prendre un petit peu la couverture vers lui. Ça, c'est le truc très haut-elfe, très arrogant, très hautain, etc. Et je pense même pas que ce soit volontaire de la part de, de Teclis. Je pense même pas que ce soit volontaire. Et là, voilà, du coup, Targaryen fait Oh là là Non, c'est aussi pour ça que l'Empire apparaît généralement comme l'arbitre. Parce qu'il bah, y a des tensions entre les différentes nations. Et là. Je vois de nombreux dirigeants, tout ça, tout ça. Mais parlez-vous au nom de votre peuple Eh oui, parce que Teclis, c'est pas le... le, le euh, oui, c'est Albéric. J'ai la confirmation ici. On a le trident, donc sur le fond bleu, c'est bien Albéric. Euh, donc c'est bien le, le grand seigneur de, de, de l'eau Mais du coup, il évoque le fait que Teclis n'est pas le roi phénix, le dirigeant des hauts elfes, donc... Euh, your... Donc on sait même pas si on peut croire en votre... En gros, voilà, il met en doute la parole des hauts-elfes. Je rappelle la grande guerre de la barbe, la grande rancune entre les nains et les hauts-elfes. Je vais pas revenir en détail, mais très grosse rivalité entre les nains et les hauts-elfes. Et même s'ils sont capables de mettre de côté leur rancune passée, c'est très très compliqué d'oublier. Il faut vraiment une menace terrible pour que les nains mettent de côté cette inimitié. Là, l'erreur diplomatique terrible. <laughs> Techlis qui dit que c'est pas le moment. Hein, pour la... c'est pas le moment pour être. Euh... Alors la VF est pas forcément. Enfin la trad est pas forcément parfaite. Mais l'idée c'est d'être euh, étroit d'esprit, d'être court d'esprit. Enfin en gros étroit d'esprit pour dire short. Donc euh, il, faut, euh, il, faut, euh, il faut penser plus haut sur tout ce qui se passe en ce moment. Il faut voir haut. Et du coup, faut pas voir bas en fait. Et bas, les nains, short pour les nains. Hein. Et donc, ouais. Erreur diplomatique terrible. <laughs> et tous Et toute l'assemblée naine qui est. J'adore, ils même, même les hauts sont en mode, qu'est-ce qu'il dit Il dit des conneries. D'ailleurs, on a un prince dragon du coup. On a un joueur d'épée, un prince dragon et. Euh... Peut-être que ça aussi, c'est un clin d'œil. Hein. J'en avais parlé sur euh, le futur des. Le, fut, le futur des hauts-elfes, dans, dans le futur des races du 2 dans Total War Warhammer 3, j'avais parlé du fait que potentiellement, fut, dans le futur, alors ça marchera pas pour les princes dragons, mais enfin je pense pas, mais euh, pour le coup, ça, ça pourrait être. Euh, les gardes maritimes de Loterne, ça pourrait être. Euh, et c'est pas forcément spécifique à Loterne d'ailleurs, mais les seigneurs maritimes, c'est censé être euh, l'un des seigneurs manquants du roster aux elfes. Et euh, pour le coup, que ce soit dans Tempête du Chaos ou dans la grande guerre contre le Chaos, les hauts-elfes. C'est la marine aux elfes qui vient généralement aider les hauts elfes. C'est pas forcément Calédor, les chevaliers de Calédor, les machins, etc. C'est généralement la marine aux elfes qui vient en fait en aide à l'Empire. Parce que c'est eux qui patrouillent dans les mers du nord, etc. Donc c'est eux qui peuvent venir le plus vite possible pour aider l'Empire. Donc vous avez un joueur d'épée. Teclis fait partie de la tour blanche de OS. Donc les joueurs d'épée viennent de OS, donc ça marche très bien. Un seigneur dragon, bon, là pour le coup, c'est un prince dragon de Calédor. Bon, ça pourrait être n'importe quoi. Je pense que là c'est assez anecdotique. Euh, après on pourrait dire on pourrait aller très loin en disant Imrik, katei, tout ça tout ça. Je crois pas des masses, mais peut-être que c'est un petit clin d'œil. Et euh, du coup, c'est un garde maritime de, de Loterne, Donc c'est plutôt euh, bien vu. D'ailleurs, je pense que le, le dernier seigneur elf à sortir sera probablement le j'ai oublié son nom mais le chef le, le chef de enfin l'amiral suprême des Hauts Elfes, j'ai oublié son nom, qui était dans tempête du chaos d'ailleurs. Il n'y aura pas d'alliance avec les elfes tant que je serai au roi. Donc là, là, ça fait très. Personnellement, moi, peut-être que je vais trop loin, mais j'ai vu un écho, évidemment, au conseil euh, d'Elrond, au conseil de l'anneau, hein, de... euh, dans la communauté de l'anneau, etc. Le fait que toutes les races mortelles se, se foutent sur la gueule, avec évidemment euh, le mot reckoning qui est très présent dans la licence Warhammer et c'est généralement les nains qui le prononcent, ça fait que voilà, ce sera une rancune, un jugement envers contre les aux elfes. Et là, c'est aussi le même truc, c'est aussi pour ça que je vois le conseil d'Elrond personnellement, euh, parce que le moment où on s'embrouille, qui en profite C'est le mal. Le mal absolu. Normalement c'est Sauron qui en parle, tout ça tout ça, et du coup Frodon qui... Euh, là, qui en profite. Vous avez l'éclair énorme, et derrière vous avez du coup Archaon et... On voit encore, c'est qui se lève C'est pas un choix euh, par hasard. Vous regardez la techno. Là, vous avez, bah, avez l'ours. Je pas vu à gauche. Vous avez l'ours. Donc, on est encore qui se lève pendant ce temps. se le fait massacrer. Et vous avez du coup Archaon qui a uni les champions. Les quatre champions euh, du chaos. Alors, vous allez me dire, c'est pas les quatre champions. Mais ça fait très tempête du chaos encore une fois. Puisque vous avez un seigneur de Nurgle ici. Un seigneur de Slanech ici. Un seigneur de Corn ici. On voit la hache. Et un seigneur de Zinch ici. Ça rappelle beaucoup tempête du chaos avec les quatre champions. Euh, qui combattent pour Archaon Mais c'est pas Ils ont pas pris euh, Ils ont pas pris Village, etc euh, Ils ont juste pris des seigneurs random euh, Pour montrer les quatre champions Donc on pourrait penser à Styrka etc Mais... Donc les nains qui se foutent sur la gueule Et pendant Pendant euh, qu'il se passe Pendant qu'on s'embrouille le monde essaye de résister, le reste du monde se bat. Et oui, les hommes lézards, ils font leur apparition. Les hommes lézards qui, sont, qui ont toujours été le bouclier du monde contre le chaos, ils sont là, mes chéris, dans une ambiance verte. Nurgle, Kugat qui fout le bordel chez les hommes lézards. Alors. Bien sûr, on pourrait faire écho à la campagne d'Immortal Empire où effectivement Kugas commence contre les hommes lézards. Je pense pas qu'il faille voir forcément cet endroit-là. Pour le coup, ça peut être partout. Et euh, des attaques de Nurgle en lustrie, c'est quelque chose qui a été. Euh, si je vous dis les hommes lézards face à la peste, euh, bon, ça n'a pas toujours été la même peste, hein, mais c'est quelque chose d'assez commun. Et donc, qui sont les premiers à partir à la table Parce que s'il y a des dissensions, bah, ils n'ont pas le temps. C'est évidemment. Qui se lève, qui en prend plein la gueule. Et là, on a un super clin d'œil à tous les fans euh, de Warhammer. Alors, je ne sais pas si Scarbrand a un passif, par contre, avec, euh, avec euh, les deux loulous. Mais euh, on nous montre Scarbrand, superbe, dans un mur de flammes qui arrive très lentement pour la bagarre. Et on a du coup Gotrek et Félix. Gotrek et Félix, si c'est pas le, le, les mascottes de Warhammer Fantasy Battle, je ne sais, sais pas qui d'autre peut <laughs> occuper ce rôle-là. Le, le nain et, et l'homme. D'ailleurs, je peut-être une bêtise, parce qu'il me semble que je me suis jamais vraiment penché sur Godrek et Félix, mais euh, euh, Félix, c'est un, un humain, hein, il me semble. Hein. Ça se trouve, c'est un elfe, mais euh, il me semble que c'est un humain. Mais, euh... Alors, on a Kairos. Alors là, il y, y aurait pu avoir une inversion. On a Kairos qui attaque, euh, attaque Ulthuan, donc les, les hauts elfes, ce qui n'est pas déconnant du tout. Hein. On a un grand passif entre... Eux, euh, parce que, bien sûr, le premier truc, c'est que le plan d'après, on a euh, Nakari... Euh, qui euh, attaque l'empire avec les, les elfes avec les démonettes et euh, donc on a Sigmar version euh, version corrompue, tout ça ça fait très clin d'œil à Zazel d'ailleurs un hein, mec de Slanesh qui est en qui est en train de foutre le bordel à l'empire j'ai pas vu il y a même la marque de Slanesh sur le marteau <laughs> mais euh, ils auraient pu inverser pour le coup puisque bon on connaît Nakari et sa haine des aux elfes mais c'est là que vous voyez que faut pas forcément prendre le point géographique de la campagne et au passage faut pas oublier euh, alors est-ce que c'est un clin d'œil je je ne sais pas, je ne pense pas, mais il y a un point qu'il faut dire. Euh, le, les, on va dire les, les serviteurs de Zinch, lors de la première invasion du chaos, je ne parle pas de la grande campagne contre le chaos qui, il y a quelques centaines d'années, je parle de la toute première invasion du chaos, donc l'arrivée du chaos sur le monde, là où ça a failli péter un. Ça a failli, euh, le monde a failli, être, euh, a failli euh, mourir dès la première invasion du chaos. Les hommes n'étaient pas encore en place, hein, c'était vraiment. C'était le, le, les hauts elfes. Et il n'y a même pas d'elfes de d'ailleurs c'était juste les elfes, les nains et les hommes lézards qui euh, essayaient de résister à cette invasion. Eh bien on a beaucoup de. on a encore beaucoup de traces de, de l'impact de Zinch dans, les, euh, dans cette conquête, dans cette première invasion, notamment vis-à-vis -vis des hauts elfes, puisque beaucoup de dragons, les elfes se battaient avec les dragons, et les dragons, beaucoup de dragons sont morts lors de cette première invasion, et notamment il y a la création de Galroch, le premier dragon démoniaque. Le premier dragon du chaos qui est un dragon affilié à Zinch. Donc voilà, il y a peut-être un petit clin d'œil, je ne sais pas. Parce que c'est clairement volontaire de ne pas avoir mis Nakari contre les hauts elfes. Pour changer un petit peu la donne. Bon, Archaon qui continue de taillader euh, sur sa route tout qui se lève. Parce que c'est encore contre Christophe qui se bat. On a Wulfric qui, lui, pour le coup, a été euh, envoyé contre, euh, contre Katei. C'est intéressant parce que Wulfric, c'est le grand voyageur. C'est le mec qui euh, a parcouru le monde sur son drakkar, etc. Donc, euh, l'envoyer en. On pourrait dire c'est complètement débile de l'envoyer en Katei. Pas du tout. Bien au contraire, ils ont pris la personne. Euh... Ça marche très bien. Donc, les Bretonniens et les Elfes qui s'engueulent. Bon, là, là c'est un peu random hein, pour le coup parce que tout à l'heure, ils ont mis des nains contre les impériaux. Bon. Ça aurait pu tout à fait être les nains contre les bretoniens euh, et les elfes contre, euh, contre l'Empire. Enfin, là, là c'est vraiment juste pour montrer qu'il y, y a de la dissidence et euh, une absence de cohésion totale. Ce qui fait que Katei s'en va. Kislev se s'en est allé. Katei s'en va aussi. Ils ont autre chose à faire. Ils sont en train de tout perdre pendant ce temps. Et là, il est là. Alors, ils l'ont mis au niveau de Katei. Ça, c'est un choix. Mais je pense que c'était pour montrer que Arcaon menace l'Ouest. Celui qui ne peut, qui pourrait arriver à l'échelle, on va dire, de s'occupera du front est. Bel accord, qui brûle Katei sur un monticule de cadavres. Superbe l'arrivée de bel Magnifique l'arrivée de bel mais l'accord qui est le premier prince démon du chaos On a vu un prince démon tout à l'heure Celui qu'on appelle Daniel Même s'il a plein de noms Puisque c'est vous qui donnez son nom Et il a un vrai nom d'ailleurs Mais euh, là on parle, on parle de, du premier prince démon Enough! Avec euh, je sais pas si c'est un hôtel du chaos derrière C'est un hôtel ou c'est juste une déco Mais en tout cas euh, marche très très bien Avec le symbole du chaos universel là. Et là c'est Frodon qui dit Je vais le faire Sauf que là <laughs> Là c'est l'humain avec le gros marteau donc ne nous le pas aveuglés par notre soif de pouvoir. Et oui, chacun a envie de tirer la couverture vers lui, ce qui est logique. Chacun a ses problèmes. Hein. Toutes les nations représentées euh, au Conseil ont leurs problèmes et pourraient dire Bon, bah non, on peut pas. on peut pas. En fait, l'idée de cette alliance ça a toujours été du sacrifice. Quand les hauts elfes envoient leur, leur flotte. À l'est, ça veut dire que pendant ce temps, ne patrouillent pas pour attaquer les elfes noirs. Quand les nains envoient euh, du monde dans le nord, ça veut dire qu'ils n'ont personne pour défendre leur leur tronc euh, face aux face aux, aux -Vertes et aux skaven. Faut pas l'oublier ça. Donc la question d'alliance, il y a un sacrifice forcément qui doit être consenti. C'est honnêtement, c'est c'est ce moment fait très charge. Rohan, euh, Seigneur des Anneaux, tout ça, tout ça. Mais c'est celle, le moment où la musique est la plus épique, la plus, la plus lyrique, j'ai envie de dire presque. Et euh, ce moment. Pourtant, je suis même pas un pro-Bretonien. Bon, ça a été une de mes premières armées. Mais ce moment, il me Qu'est-ce que c'est beau, putain, la Bretonie Qu'est-ce que c'est beau. Et juste après, c'est magnifique aussi. Donc là, on a la charge des Chevaliers du Graal avec euh, Lou en cœur de Lyon Albéric de Bordelot, Into, euh, évidemment, euh, Jeanne de Lyonnaise. Donc euh, les grandes têtes d'affiche. Euh, en tant que chevalier de, le, de la Bretonie, ça, ça me fait penser d'ailleurs. Je enfin, vais rien avoir, mais ça me fait penser au premier livre d'armée euh, bretonien, le le, son casque à lui. Est-ce que ce serait un, un clin d'œil pour Bohemond de Bastogne Non, Bohemond de Bastogne, c'est un dragon, c'est pas un cerf, mais. C'est vrai que les couleurs. Non, 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 j'y crois, là, je vais trop loin. Voilà, ah, la charge des chevaliers du Graal, c'est. magnifique. Ce qui pourrait sous-entendre un rework. Euh, de la Bretonie. Face aux vampires. Euh, vous savez, c'est un truc que notre campagne à 8 on en a souvent parlé. Beaucoup de gens se disent bah, la Bretonie, leurs rivaux, c'est les orques, etc. Le rival historique de la Bretonie, ça a toujours été les morts vivants. Toujours, 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 toujours. Ça s'est perdu de vue avec End Time, parce qu'il y a le chaos, tout ça, tout ça. Mais le grand rival de la Bretonie, ça a toujours été le délire des mythes arthuriens. Le chevalier pieux, le chevalier blanc contre le chevalier noir, le chevalier. Euh, de la mort, etc. Tu représentes la vie face au chevalier de la mort. Et c'est pour ça que vous avez la présence d'énormément euh, de morts vivants en Bretonie aussi, euh, avec euh, Heinrich Kemmler, etc. Euh, Moussillon, c'est un bordel monstre. La rivalité Bretonie-Vampire, la Bretonie mort-vivant même dans l'ensemble, le, dans c'est depuis le début de la licence Warhammer. C'est pas anecdotique qu'on les ait mis. Et là aussi un grand clin d'œil à de... bah la première invasion du chaos hein, pour le coup, avec justement les nains et les hauts elfes avant la guerre de la barbe, avant la, la guerre de la barbe et du coup les rancunes entre les nains et les elfes. Le fait que les nains qui eux ne sont pas des diplomates forcément, euh, mais sont des grands combattants et sont. En plus c'est vraiment rigolo parce que c'est vraiment les deux représentants de leur race à ce niveau-là. C'est à dire qu'à gauche nous avons le nain blanc, j'ai oublié son nom là de tête comme ça, euh, mais le nain blanc qui euh, à l'origine du White Dwarf, le magazine de, de Warhammer. Et nous avons du coup Tyrion qui fait son apparition contre Elfe Noir et Skaven. Et au final, ça se passe d'ailleurs chez les nains, on voit que c'est chez des nains. Et du coup Tyrion qui est l'héritier euh, d'Aenarion, comme Teclis, parce qu'ils sont jumeaux, Aenarion qui était le premier grand roi euh, des hauts elfes. Qui était celui qui a vaincu le chaos lors de la première invasion du chaos Justement la très très vieille bataille, la, la très vieille guerre que j'évoque, hein, moins 5000 ou 6000, je sais plus. Euh, et nous avons euh, du coup, euh, nous avons le nain blanc qui était aussi euh, le descendant de... Je ne sais plus si c'est directement un des trois dieux nains ou si c'est le fils d'un des trois dieux, je ne sais plus, mais c'est globalement le nain blanc, c'est pareil, c'est très, très 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 vieux. Et pour le coup, eh bien il y a... Un double parallèle avec la première période de la première invasion du chaos et l'autre clin d'œil c'est aussi euh, Aenarion, c'est le père de Malekis et Malekis et le nain blanc ont été amis de leur vivant et là vous avez le descendant de Malekis, enfin, c'est pas tout à fait un descendant direct mais un descendant indirect de Malekis et d'Aenarion qui est Tyrion qui se bat dos à dos avec euh, un nain. Donc les elfes et les nains, on a vu le côté rivalité mais on a vu aussi le côté où quand le les, les temps vont enfin quand le quand on est au bord de l'apocalypse, au bord du gouffre, quand ces deux races s'allient, ne se passe que de bonnes choses. Et la, la décadence de deux races, au final, qui sont au pied du mur, c'est deux races qui, à une époque, on, on, on est sur un petit peu le crépuscule de ces deux races, qui... Leur âge d'or est passé, en fait, aux nains et aux elfes. Et là, là vous avez les deux grandes légendes qui, quand leur race... Euh, on a l'impression que... Euh, tout Espoir est perdu, etc. Le nain blanc, c'est littéralement ça. Quoi, il débarque le euh, aux endroits où les nains ont le plus besoin de lui. Il débarque dans ces moments-là. Tyrion est à moins ce côté-là, mais c'est aussi ça. Tyrion, c'est un peu le sauveur d'Ulcian. Donc, c'est pas, c'est pas, on va dire que là, il y a quand même une grande, 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 grande légende de l'univers de Warhammer. Et Tyrion, c'est pas, pas non plus euh, un random, mais il euh, y, y a un beau parallèle qui est fait entre les deux, pour le coup. avec la menace. Il y a quand même une des menaces qui a anéanti... Enfin, une des menaces qui a anéanti l'Empire nain. Et la menace... Euh, la guerre de la barbe et tout ça. Et la dissension, bien sûr, d'Aenarion entre les elfes noirs et les hauts-elfes. C'est un truc... Voilà. C'est, pour le coup... Vous avez les deux... En fait, le nain est justement opposé au rival de l'elfe. Et le rival du nain est mis... Face à, face à l'elfe. Donc il y a vraiment encore une fois l'idée d'alliance contre leurs ennemis communs, c'est super Parce que c'était facile de mettre Skaven contre Nain et Oelf elfe contre elfe noir, mais là justement ils croisent les, les rivalités. Et c'est des combattants de légende. Hein. Là il n'y a même pas leur armée, c'est vraiment le, la, défense, euh, la défense du dernier carré. C'est ce qu'il faut faire, hein. ça c'est le bon traitement sur un Skaven un hein. grand coup de hache. Il hein. mérite que ça. Et là, c'est un moment où j'ai fait Oui oui! C'est de mes deux races préférées, honnêtement. Euh, alors, d'un point de vue leur, elles ont. Bien sûr, les elfes et les hommes lézards se sont battus ensemble. Et il y a un grand, grand, grand parallèle qui a toujours été fait sans être vraiment non plus ultra présent. Parce que malheureusement, les elfes sylvains, ils les ont toujours. Ils ont jamais dans Warhammer Fantasy. Et maintenant que la licence s'est un peu arrêtée à ce niveau-là, bien sûr, il y, y a Old World, tout ça. Mais peut-être qu'Old World pourrait développer ça, mais ça a jamais. Ils se sont toujours arrêtés à, euh, aux elfes sylvains d'Athel-Lorraine, même si c'est bien sûr les elfes sylvains d'Athel-Lorraine, la grande forêt de, de, de Bretonie où il y a les elfes sylvains, le cœur de la civilisation elfes sylvains, mais vous avez d'autres elfes sylvains, notamment ceux de Lorelorn. Qui sont beaucoup plus ouverts sur euh, l'extérieur. Et il y a toujours eu ce grand parallèle entre les elfes sylvains et les, les hommes lézards. Ce sont tous les deux des protecteurs de bois, en fait. Il y en a juste un protecteur de la jungle et l'autre, c'est protecteur des forêts. Mais il y a toujours eu ce côté nature et ce côté. Euh, on se bat avec des, des, des animaux ancestraux. Euh, les hommes lézards qui se battent avec la faune locale de Terre du Sud et de l'Ustrie. Les elfes sylvains qui se battent avec euh, les hommes arbres, les, les murs, les, euh, les dryades, les hôtes aussi, qui sont des races ancestrales de l'univers de Warhammer. Le fait qu'ils les mettent tous ensemble, moi je suis en mode « Waouh !» J'ai pas vu leur... Euh... D'ailleurs, sur quoi ils se foutent sur la gueule J'ai l'impression que c'est des hommes bêtes Ouais, c'est des hommes bêtes. Hommes bêtes. Hommes bêtes, ça fait grand... Et pareil, hein, les elfes et les hommes lézards se sont battus pas forcément dos à dos, mais ils se sont battus aussi lors de la première invasion, comme je disais, contre le grand, euh, contre la première grande invasion du chaos. À pas confondre avec la, la, la grande guerre contre le chaos. Attention, euh, les humains n'existaient même pas lors de la première invasion. Enfin, si, mais c'était l'âme des cavernes. Et on a Orion qui sonne le, la chasse, la chasse sauvage, avec auxiote qui vient, Oxiot qui a toujours été le grand. Euh, L'homme lézard qui bouge le plus, euh, perdu dans les désolations du chaos, etc., etc. Et là, il se bat avec ses hommes lézards et Orion. Je vous avoue que pour moi, ça. <laughs> oh, c'est mes deux races préférées. Elles combattent côte à côte. Elles ont toujours eu des thématiques proches l'une de l'autre, avec l'idée que elles combattent pour le bien, mais elles sont dans leur coin et euh, elles en prennent plein la gueule, mais elles en demandent, elles demandent rien à personne. C moi, j'avoue que ça. <laughs> et ensuite, on a euh, deux races qui auraient pu. Ne pas, être, ne, pas être, enfin, ne pas apparaître euh, et au final ils les ont mises, bataille entre morts vivants au final, puisque vous avez les rois des tombes contre la côte vampire et si je ne dis pas de bêtises euh, c'est Kateb versus, euh, je... non ça se trouve c'est pas Kateb mais en tout cas là à droite ça a l'air d'être Noctilus et on a j'ai l'impression qu'on est au niveau du maelstrom ici, enfin le maelstrom, le maelstrom de Warhammer mais euh, j'ai l'impression que c'est ça parce que Katep, je... non, Katep il se bat pas sur un, un Hiro titan, c'est juste un hero titan tout court. Mais c'est vrai que c est... C est... pour moi, c'est l'unité de Katep, euh, hero... le hiro titan. Mais du coup, on a le duel entre vampires. Pas oublier que, euh, à une époque, ils étaient tous dans le même. Le même euh... C'est la deuxième et la troisième race mort vivant globalement, hein. euh, on a contre vampire en premier que tout le monde connaît, ensuite on a les rois des tombes, et ensuite la côte vampire qui est bon, pour le coup un statut un peu particulier la Côte Vampire, et du coup les rois des tombes il y a aussi cette grosse rivalité avec les, les morts vivants normaux et euh... donc c'est assez intéressant de les faire s'opposer dans un duel dans un duel presque j'ai envie de dire Pacific Rim. C'est vrai que oui je suis con, j'y ai pas pensé, ça se trouve en fait c'est ça le délire, un peu à la Pacific Rim avec un duel de mecha au milieu de l'océan. Et alors là, là, il n'y a pas de lore. Là, il n'y a pas de lore, c'est juste euh, le roi des chariots. <laughs> là, pour le coup, le lore est terminé. Euh, non, non, je rigole. Mais euh, on a Grom, qui est l'un des plus grands conquérants orques. Hein. Euh, moi, j'adore Gorbad, c'est mon seigneur Pauvert préféré. Mais pour le coup, Grom, il faut dire ce qu'il est. Factuellement, c'était le plus grand conquérant orque qui n'ait jamais existé. On peut dire Grimgor mes couilles, oui, oui, bon, Grimgor en dehors Time Et euh, Time bon, euh, plus personne n'est évoqué chez les Pauvert, à part lui. Et on a Cetra et Grom, les deux grandes légendes, les deux grands conquérants, et les deux qui chevauchent depuis des chars, donc on a la guerre des chariots là. Donc un duel qui thématiquement est très malin en fait, très malin. Ces deux personnages qui ne se sont jamais croisés en fait, mais les mettre opposés pour ne pas oublier les rois des tombes et remettre un peu Grom et les pauvres, c'est super malin en vrai, c'est super malin. C'est très très malin en vrai. Victoire victoire de Cetra d'ailleurs, c'est une chez je crois. Ah non, c'est tra. Ah ben non, c'est tra perdu! Ah ouais, grand métro fort en fait. Là aussi, pareil, donc l'union euh, de l'Empire et de Katei, euh, nous sommes du près de. Euh... C'est pas Zanbaijin, c'est. Euh... Ah, je l'ai pas en tête! La capitale. Shangyang? Shangyang, c'est ça, Shangyang, la capitale euh, de l'Ouest! Qui est dirigé par Zhao Ming. Zhao Ming et Balthazar Gelt, pareil, ils ont mis un excellent écho. Ces deux personnages ne sont jamais rencontrés dans la licence euh, Warhammer, l'absus. Mais euh, ces deux personnages-là sont. On sait que Balthazar Gelt, pour le coup, est probablement un des mecs qui a le plus bougé du côté de l'Empire. Avec Kurt Elborg, très probablement aussi et du coup maître Balthazar gel qui voyage par de l'Allemagne pour aider Katei. et nous sommes à non, je crois que c'est Nanyang euh, le... non c'est Nangao Shangyang 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 du coup qui est la capitale de l'Ouest Shangyang qui est du coup le l'or du métal tout ça tout ça Zhaoming qui est vraiment le le dirige le maître du métal etc c'est le dragon de métal le dragon de l'alchimie avec le grand patron euh, du collège de magie et directement le patriarche du collège de magie du métal les deux ensemble là c'est un concert heavy metal hein, ensemble hein, c'est euh, le Hellfest en fait c'est le Hellfest à Shangyang donc c'est juste, juste parfait de les mettre ensemble d'un point de vue thématique et si jamais Karl Franz envoyait effectivement une armée de l'Empire pour aider Kataï à l'Est on voyait Balthazar Gelt euh, qui du coup est avec aussi la cité de Kataï la plus ouverte vers euh, l'Empire, vers les humains. Je précise bien parce que sinon vous pourriez me citer, euh, je crois, Fuyi, tout à l'Est, qui est euh, euh, pour le coup la ville de l'Est qui est plus ouverte sur les elfes, pour le coup, et pas les humains, plus sur les elfes avec Yinyin, euh, Yin, la dragonne de l'Est de, des océans. Mais du coup, Sh euh, Shang Yang, c'est vraiment la cité de Katei, ouverte diplomatie, c'est là où il y a la grande ambassade, etc. Donc... Mon dieu, quoi, en termes de l'or, qu'est-ce que c'est malin! Eh voilà, ça, ça c'est le rêve de n'importe quel joueur de Total War d'utiliser à la fois l'artillerie de l'Empire et l'artillerie de Katei. En face il reste plus grand chose. Hein. Et on a euh, c'est rigolo, c'est rigolo, on a... Est rigolo, on a ce, ce, plan, il est... ce plan il fait très euh, on dirait presque des images artistiques de Total War euh, 3 Royaume. Avec euh, les trucs à encre et est tellement tellement il y a de missiles partout, on dirait de l'encre. On dirait de l'encre à moitié. Je trouve artistiquement et c'est que des... C'est que des, des, des œuvres d'art, hein, vraiment. Et euh, le fait de, de, de mettre le clan Morse ici, c'est pas bête. Je sais plus s'il y a eu des rivalités avec le clan Morse. Parce que globalement, historiquement, le, les clans, évidemment, Scaven, qui foutent le bordel dans l'Est, c'est surtout le clan, euh, le clan Eshin et le clan. Rectus, je crois, il me semble que c'est le clan Rectus aussi qui a dévasté Nippon. Donc je sais plus si le clan Morse a, a des faits d'armes en Cataille, mais c'est pas du tout impossible vu que les Scaven euh, lancent des assauts un peu partout, etc. Les clans sont envoyés un peu partout, c'est pas du tout euh, un problème de mettre le clan Morse avec, euh, avec Quick Quick Attacker. Quick qui reçoit la, la, la douche suprême, et euh, du coup, nous avons à côté de ça, et eh bien l'Empire. C'est là aussi où c'est intéressant. Vous savez, les ambassadeurs qui ont quitté la, la salle très vite, c'est ceux qui sont le plus dans la merde. Vous avez l'Empire qui vient aider, c'est l'Empire qui vient aider euh, Kate. C'est peut-être juste le moment dommage de ne pas avoir mis le clan Eshin avec euh, avec Snitch, quitte à mettre Snitch plus euh, plus Quick hein, d'ailleurs ensemble. Et ici, et eh bien maintenant, c'est la, la guerre dans le nord où justement, et eh bien tel. La Grande Guerre contre le Chaos, Magnus le Pieux, et bien cette fois c'est Karl Franz qui envoie ses armées dans le nord pour aider, euh, aider Kislev et Katarina qui est présente sur le champ de bataille pour arrêter les armées d'Archaon. Et là j'ai bien aimé parce que tout à l'heure on nous a mis les champions du chaos mortels et cette fois on nous met des, des démons majeurs, ce ne sont pas euh, Kougat, Scarband etc, c'est juste des démons majeurs mais pour représenter... Le cas universel représenté par le euh, champion euh, des dieux noirs. Mais nous avons du coup, eh bien, un duc du changement, nous avons un gardien des secrets, un. Euh... Merde. Un grand immonde. Et nous avons un, un buveur de sang. Voilà, les quatre sont là. Ah bah, je vois Azazel Azazel et Valkia sont là-bas. J'avais pas vu. Je n'avais jamais... pas fait gaffe. Je n'avais pas fait gaffe, mais ils sont là. Du coup, est-ce que. Sur un plan, non, non, il n'y a pas, mais on a aussi du coup euh, les princes démons, euh, princes démons du cas. J'avais même pas vu qu'on les qu'ils étaient là, mais euh, par contre, j'avais fait attention justement aux quatre grandes figures des quatre dieux. Hein. Je rappelle quand même les... que les démons majeurs sont censés être un peu les représentants des dieux sur, euh, sur, euh, sur le plan mortel. Donc, euh, Archaon devant les quatre dieux, c'est ce qu'on voulait à Warhammer 1, hein. Total War Warhammer 1, ce qu'on voulait, un chaos vraiment fini finalisé avec tous les dieux, etc. Et j'avais pas vu les princes démons du coup avec euh, Azazel et, et, et Valkia. The right. Attendez, il y a euh... Ah j'ai pas vu, il y a Collec C'est Collec ça Non, c'est pas Collec. Non, c'est juste un, un dragon ogre, hein, c'est pas Collec. On voit un, un mammouth aussi pour représenter, bah du coup, Norsca et les euh, différentes, toutes les factions du chaos qui sont unies sous la couronne de Darkham. Mais est-ce que c'est Collec Je crois pas que c'est Collec, hein, C'est euh, C'est juste... Euh... Non, c'est pas Collec, c'est juste un dragon ogre chagot, hein, je crois. Hein. The right. Avec Katarina et Kislev bien sûr. Qui sont là Et, qui, qui, euh, et l'Empire qui arrive après. Les deux ensemble. L'union. L'union euh, des races mortelles. Enfin des humains dans le, dans le vieux monde. Magnifique. Les plans sont exceptionnels. Et là C'est le moment C'est le moment Et encore une fois, il y a un gros clin d'œil aux sciences anneaux pour moi. C'est vraiment l'isangard des deux tours et de la communauté de l'anneau. Oh oh <laughs> Avec un, un vieux rire de méchant. Très, très, très. Euh... Très random, mais qu'est-ce que qu -ce que, Alors, pour ceux qui n'auraient pas compris, qu'est-ce que veut dire ce clin d'œil Ils sont là Ça, c'est le teaser. Ça me rappelle beaucoup le, le, la cinématique du Vortex pour Total War Warhammer 2, où à la fin, on voyait un petit rat qui a un, annoncé la, la race, la quatrième race à rejoindre le, le roster, c'était les Scaven. Là, tout simplement... Les nains du chaos Les nains du chaos, c'était sûr, on le savait. Mais ça y est, c'est officiel Les nains du chaos arrivent Et j'ai quelque chose à dire, on voit du coup les esclaves pauvres qui travaillent, hein, si vous faites... En fait, c'est des gobelins et des orcs qui travaillent. Et du coup, vous avez le bras d'un nain du chaos. Et ça... Moi, je suis très très content de voir que... Eh bien les nains du chaos. En plus, en termes d'apparence, j'ai l'impression qu'on va pas sur le nain du chaos qui est juste un nain version métal noir euh, euh, qui était un petit peu les versions qu'on voyait à la fin avec les légions, les légions, euh, je sais plus quoi, la Dazgore ou de, je sais pas quoi, la Dazgote. Ou c'était vraiment juste des nains normaux mais avec des pics de métal, machin. Et c'est pas ça les nains du chaos. C'est pas ça les nains du chaos. C'est pas ça. Alors qu'il y en a comme ça, pas de problème. Mais les nains du chaos. Ça ressemble vraiment au, à, à toutes les civilisations mésopotamiennes, que ce soit les Perses, etc., babyloniennes, avec leur. leur vraiment, leur, leur, le, Vraiment, d'un point de vue, vue vêtement, ils sont incroyables et ils apportent un, une bouffée d'air frais dans l'univers dans de Warhammer, je trouve. Alors que les nains du chaos qu'on avait, notamment bah, par exemple les servants des canons Apocalypse, sans déconner, c'est juste des petits garés du chaos, quoi. Ça, je trouve ça dégueulasse, hein, techniquement. Euh, et, et là, on a sur un nain. Parce qu'il a, il a un grand gant noir avec. Le, le 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 coude Vite, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on va vers les nains du chaos un peu plus à l'ancienne, vraiment les nains du chaos méga stylés. Et euh, moi, je... les nains du chaos, c'est une de mes races préférées aussi qui a été oubliée pendant très, très, très longtemps. Qui était revenue à Tempête du chaos avec le canon Apocalypse d'ailleurs. Mais euh, comme quoi, canon... on dit souvent que Tempête du chaos et Redcon, bah pas tant que ça en fait, semi-redcon, c'est toujours un peu bizarre. Et du coup, euh, bien, les nains du chaos qui arrivent, ça fait plaisir. J'ai fait une vidéo sur le chaos où je parle de la chute, le grand dieu des nains du chaos, parce que les nains du chaos, pareil, ils ne sont pas montrés en mode on est les potes d'archaon nains du chaos ils sont indépendants c'est comme les skaven ils travaillent dans leur coin parfois ils bossent ensemble parfois ils bossent contre je vous rappelle que le clan moulder il fout le bordel chez le chaos dans le nord donc le non vraiment pour le coup les nains du chaos après dans le jeu dans la réalité dans le gameplay il y a de grandes chances que les nains du chaos soient souvent plus favorables aux alliances du mal on va dire skaven elfes noirs chaos que euh, juste euh, tout le monde pote avec des elfes bien sûr mais les nains du chaos, sont indépendants. Les autres, ils leur disent fuck, et c'est juste, euh, juste de la main d'oeuvre pour la chute, c'est tout. Que ce soit des chaotiques ou pas, et probablement que la plus, la plus grande partie des esclaves des nains du chaos, c'est des peaux vertes. La deuxième, c'est des maraudeurs du chaos, hein, Donc, <laughs> c'est donc, euh, là... Alors là, ils peuvent aller les attraper par, par paquet de vin, hein, Donc... Euh... Par paquet de sang même. Donc euh, voilà, Nain du Chaos, je suis, je suis hypé. Donc ça risque d'être le premier DLC d'avril. Pour le coup, l'arrivée des Nains du Chaos, ils ont parlé d'un très très gros DLC qui arrive en avril. Il y aura trois très gros DLC qui arrivent dans l'année. Un en avril, un en printemps, un en été, un en automne. Il y a de grandes chances que celui qui arrive le 21 avril ou je sais pas quoi là en avril, ce soit le DLC Nain du Chaos. Et avant, il y aura du coup la sortie avec la 10.7 ou je sais pas quoi là de... La 1... Non, pas la 10.7, je confonds avec, avec Warcraft là pour le coup. Mais euh, c'est la 1.7, je crois, ou la 1.7 de, de Total War Warhammer 3 qui apparemment sera un très 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 gros patch, de ce que j'ai cru comprendre, l'un des plus gros qui ait jamais été présent. Donc potentiellement des reworks avant l'arrivée des nains du chaos. Potentiellement un rework nain ferait du bien aussi. Euh, priorité la priorité, c'est la Bretonie, je pense, quand même. Mais euh, du coup, voilà, moi je suis très très content. Les nains du chaos qui arrivent, la forge. Là, vous avez littéralement aussi la représentation de. Il y, y a des chances que ça évolue d'un point de vue asset graphique et ils n'ont pas fini de faire tout ça. J'ai pas vu si c'était. Euh... Parce que là, on voit. Là, pour le coup, effectivement, on voit qu'ils construisent des, des, des trucs pour, la, pour le chaos normal. Parce que les nains du chaos sont des marchands aussi. Donc, ils, ils, ils arment. Ils arment euh... Potentiellement les armées d'Arcaon, etc. Mais contre, en échange. J'ai pas regardé en détail. J'ai l'impression que c'est des orques sauvages pour représenter les esclaves euh, pauvres. C'est quoi le truc là Ça là J'arrive pas à voir ce que c'est. J'ai l'impression qu'ils ont utilisé un troll des marais à moitié. Enfin, les trucs un peu plus sauvages pour montrer qu'ils ont pas d'armure et que c'est des esclaves. Mais euh... ouais, les nains du chaos, on n'a pas encore les assets parfaits. Mais là, on vous... en plus, si vous aviez pas euh, compris, il y a les mines il y a euh, l'usine l'industrie tout ça bon ouais, c'est nain euh. les nains du chaos hein. c'est les nains du chaos c'est les nains du chaos voilà donc je suis très 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 content très, très... c'est la 3.0 euh, d'accord c'est la 3.0 pour euh, Total War je crois que c'était la, la 2.0 mais en fait non j'ai confondu la 2.0 et la 3.0 mais voilà ça change pas ce que je disais normalement euh... Le, le gros patch qui arrivera avant l'arrivée des nains du chaos et les nains du chaos arriveront en avril du coup euh, Peut-être que ce sera en même temps je sais pas s'il y aura un petit délai entre l'arrivée des nains du chaos et le patch 3.0 Total War Warhammer 3 Mais dans tous les cas apparemment ça va être du très 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 gros contenu et tant mieux Tant mieux tant mieux et en nous, nous évoquant le fait que ce sera probablement l'un des plus gros patchs de l'histoire de Total War Warhammer bah, forcément les attentes sont hautes donc euh, espérons qu'il y ait effectivement beaucoup de contenu voilà, moi personnellement on va s'arrêter là, j'espère que cette analyse de cinématique vous aura plu. Euh, désolé, j'ai oublié de dire El au début, j'ai dit euh, Thor Ivresse, il m'avait échappé sur le moment, tout ça. Je pense qu'il y aura toujours des petits moments euh, où euh, on pourra m'éclairer bien sûr. Mais euh, voilà, c je trouve ce trailer vraiment exceptionnel. Et même en l'or, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il raconte, tout ce qu'il montre, c'est juste superbe. C'est juste superbe et c'est des beaux clins d'œil. Euh, on sent que c'est des, des fans, c'est un travail de fans pour des fans et des fans qui ont su réviser aussi leur, euh, leur, l'histoire leur, leur, de, de, de Warhammer Fantasy et de ce que représente Warhammer Fantasy et de ce qu'est Warhammer Fantasy. Voilà. Donc euh, plein de bisous. J'espère que vous avez aussi apprécié ce trailer. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo sur YouTube. Bisous, bisous, bisous. Bonjour, c'est la chute. Alors, on est prêt à travailler Très Content hein, de vous voir là, tous euh, enjoués par les mains du chaos. Je suis très content, c'est la deuxième fois que j'arrive sur cette chaîne euh, YouTube. Pour la fois, c'était là... tout simplement sur le chaos. J'étais en dernier. Euh... Ah non, j'étais pas en dernier, j'étais dans les derniers en tout cas. <laughs> voilà, c'est content.